thank <laughs> you Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette rencontre consacrée donc à, à l'écriture du deuxième roman, une rencontre qui a lieu dans le cadre du festival Effraction, dont c'est, me semble-t-il, la troisième édition. Et qui est, comme vous le savez euh, sans doute, un, un festival qui s'intéresse plus particulièrement à l'exploration des liens entre la littérature et le réel. C'est une rencontre qui est organisée avec les bibliothèques de la ville de Paris. Les bibliothèques de la ville de Paris qui ont créé un prix du premier roman, qui est un prix de lecteur des bibliothèques de la ville. Euh, je voudrais. Mentionner les noms des trois derniers lauréats. Il y a eu successivement Joseph Pontus, qui avait reçu le prix pour son roman À la ligne, Paris aux éditions de la Table Ronde. Puis il y a eu Olivier Dorchamp pour son roman Ce que je suis aux éditions Fénitude. Et puis Laurent Petit-Mangin, qui a reçu le prix l'année dernière pour Ce qu'il faut de nuit à la manufacture de livres. Je voudrais vous donner brièvement deux petites informations concernant des dates importantes à retenir concernant ce prix, puis éventuellement vous pourrez demander... Davantage de détails pour ceux que ça intéresse à la fin de la rencontre, mais déjà quand même vous signalez la date du 2 avril où une rencontre aura lieu à la médiathèque Marguerite Duras, rencontre avec les cinq auteurs qui sont euh, sélectionnés pour cette édition donc 2022 du prix, et puis notez également la date du 10 juin qui sera le jour de la remise du prix à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Vous avez également la possibilité de consulter le portail paris.fr pour avoir toutes les informations. Voilà. Ces précisions étant faites, je vais commencer par faire des petites présentations avant d'aborder ce sujet de la publication de l'écriture et de la publication du deuxième roman qui est considéré comme un moment extrêmement important dans le parcours d'un écrivain mais bien sûr on va en parler Dima Abdallah vous êtes née au Liban vous êtes fille d'une romancière et d'un poète vous êtes arrivée en France à l'âge de 12 ans vous avez suivi ici des études d'archéologie. Vous êtes l'auteur d'un premier roman intitulé Mauvaises Herbes, qui est paru aux éditions Sabine Vespizer en 2020. Roman qui a reçu le prix envoyé par la Poste. Et votre deuxième roman, Bleu Nuit, vient juste de paraître chez le même éditeur. Martin Mongin, né euh, en 1979, ancien professeur de philosophie, passionné de politique. Vous avez signé plusieurs essais politiques sous des noms d'emprunt, sous différents noms d'emprunt, et vous êtes l'auteur du premier roman Francis Rissin, qui est paru en 2019 aux éditions Toussitala, qui avait reçu le prix euh, Effraction SGDL, autrement dit le prix qui est remis. Dans le cadre de, de ce festival et votre deuxième roman, Le Chaud vient de paraître. Toujours. Chez le même éditeur. Et puis enfin, Laurent Petit-Mangin, euh, vous poursuivez des études supérieures à Lyon, vous entrez ensuite chez Air France, où vous avez travaillé, où vous travaillez encore, voilà. Et vous êtes l'auteur d'un premier roman, donc Ce qu'il faut de nuit à la manufacture de livres, qui avait reçu notamment donc le prix des lecteurs des bibliothèques de la ville de Paris en 2021. Et Ainsi Berlin, votre deuxième roman, vient juste de paraître chez le même éditeur. Alors, pour aborder ce moment un peu particulier qu'est le deuxième roman, on dit déjà que publier un premier roman est bien évidemment un moment intense dans un, dans un parcours littéraire, mais le deuxième l'est tout autant, peut-être de manière un petit peu différente. On évoque assez volontiers le fait qu'il y a une sorte d'enjeu à publier le deuxième roman et que c'est une parution réputée peut-être un peu plus difficile parce qu'elle vient confirmé en général, mais parfois infirmé aussi un certain nombre d'espoirs qui s'étaient éveillés avec la publication du, du premier roman. Euh, autrement dit, euh, il y a une sorte de tournant qui se joue là. Est-ce que vous l'avez vécu de cette façon-là, peut-être Dima pour commencer Oui bonjour. Euh, vous savez, pendant l'écriture du deuxième, je n'avais pas conscience de l'enjeu. Mais c'est vrai que quand une fois achevé, euh, je me suis dit effectivement. Euh, bon, Mauvaise Herbe a été extrêmement bien reçue. J'espère que ces lecteurs auxquels je tiens, euh, ces libraires, euh, ces journalistes, mon éditrice, euh, j'espère que euh, je, ne les je ne les décevrai pas. Euh, C'est ça en fait. La... Surtout que quand on vient d'achever l'écriture, on n'a pas tellement de distance avec ce qu'on vient d'écrire. Donc, oui, il y a une petite période comme ça d'angoisse et je suis vraiment très très heureuse de, du, du chemin que, que Bleu nuit a, a emprunté depuis depuis quelque temps bien sûr on va venir en détail à vos romans respectifs ne pas décevoir les espoirs Martin Mangin, vous avez également ressenti cela euh, oui, sans doute qu'on peut formuler ça comme ça. Peut-être que le, le, le deuxième roman, on l'écrit en ayant l'impression d'avoir quand même des yeux derrière le dos, quoi, derrière la nuque. Il euh, y a le, les yeux des lecteurs et des lectrices, mais il euh, y a aussi les yeux de, des éditeurs. Et moi, j'avais la chance en tout cas de, de savoir que mes éditeurs, Michael et Carmela, étaient plutôt partants euh, pour publier un deuxième roman, si euh, deuxième roman il y avait. Donc. Il y avait un peu le, le, le euh, c'est pas que c'était déjà gagné, mais mais bon voilà la porte était grande ouverte en tout cas, mais donc ça rendait aussi l'écriture d'autant plus, euh, ouais, enfin, avec des enjeux d'autant plus, euh, enfin pas simple à démêler en tout cas, de savoir que ben bah, oui il fallait sans doute pas les décevoir et que voilà et d'être toujours aussi tenté, enfin, ou, de, ou de résoudre la question de savoir est-ce que est-ce qu'il faut que j'aille un peu dans le sens où je saurais peut-être d'avance que ça va leur plaire ou est-ce que, enfin voilà la question de la liberté. Euh, mmh. Les okay, questions de la liberté et de la séduction aussi dans ce que vous, dans ce que vous dites, Laurent Petit-Mangin bon, J'ai un peu triché. Hein. C'est-à-dire ouais. que moi, les, euh, les deux romans, je les ai envoyés le même jour à mon éditeur. et euh, C'est d'ailleurs par le deuxième euh, qu'on est venu au premier. C'est-à-dire que c'est euh, par un cyberlin que, euh, que Pierre Fourniot, l'éditeur de la Manufacture de Livres, m'a dit, j'ai envie de, de vous éditer. Et puis il a lu euh, Ce qu'il faut de nuit euh, juste après. Et, parce que ce qu'il faut de nuit était un peu plus près, quand même, euh, d'un point de vue éditorial, on a choisi de, de démarrer avec euh, ce qu'il faut de nuit. Mmh. Donc, c'est une pression un petit peu différente. Mmh. Ça reste quand même une pression. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, euh, j'ai quand même voulu après retravailler euh, un cyberlin. Euh, au vu un peu ben, de ce qui s'était passé autour de ce qu'il faut de nuit. Alors bien sûr, la, la, la question de savoir si on écrit tout de suite le deuxième roman après le premier, pour vous, elle ne se pose pas tout à fait. Peut-être tous les deux. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il fallait rapidement écrire et publier un deuxième euh, Ou bien vous vous êtes dit non, je prends du temps. Enfin Cette, cette question du rapport au temps, elle s'est posée comment Oui, alors en, en ce qui me concerne, ça ne vient jamais d'une décision d'écrire. Euh, donc, déjà, je n'ai absolument pas décidé d'écrire un second roman après le premier, mais il y a quelque chose de très, de, 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 de presque marrant, de presque rigolo qui s'est passé. C'est que le jour où j'avais où mon contrat pour Mauvaise Herbe en main, je m'en rappelle parfaitement, j'attendais le bus euh, pour aller poster ce contrat et le personnage de Bleu Nuit est venu toquer vraiment. Euh, à ma porte avec ses phrases, avec, euh, avec déjà de la littérature, avec déjà des, 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 de l'écriture, hein. pas seulement une idée euh, d'un personnage, j'avais déjà sa voix. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est beaucoup trop tôt. Donc euh, ce personnage, il a mûri en moi pendant presque un an, euh, avant euh, de me mettre à l'écriture, avant que l'urgence de se mettre réellement au boulot... Euh, euh, viennent quoi, mais, euh, mais euh, je ne sais plus qui euh, euh, de mes amis ou, ou de mes rencontres m'a dit c'est marrant, on dirait comme une dent de qui est tombée et euh, parce que c'est vraiment le jour où j'allais poster le contrat, mais par contre je n'ai pas cédé à, à, à l'écriture euh, tout de suite. Martin Mangin, est-ce que le chômeur est venu toquer à la porte pour reprendre l'expression de Dima euh, très vite? Ben en tout cas la question de la temporalité elle est intéressante aussi dans le sens où euh, le, le, le temps d'écriture du premier roman en, en ce qui me concerne en tout cas il s'est doublé du temps de euh, recherche d'un éditeur et ça s'est pas fait tout de suite, l'éditeur est pas venu toquer en tout cas euh, et donc en fait quand Francis Rissin euh, a été publié ça faisait déjà 5 ans moi que j'avais commencé à l'écrire. Donc en fait, quand je me suis mis à l'écriture du Chomor, c'était pas dans une immédiateté après l'écriture du premier roman. Il y avait déjà eu, moi j'avais déjà eu le temps un peu de, de, de déposer ce que j'avais écrit et de oui de. Il y a d'autres choses qui avaient eu le temps d'émerger dans l'intervalle. Avant qu'on qu aborde bien évidemment plus davantage en détail vos romans, peut-être encore une, une question générale. Pour souligner d'abord quelque chose qui vous réunit tous les trois, c'est le fait que vos premiers romans ont été reconnus et distingués. Vous avez eu des prix et vous faites partie des primos romanciers, comme on dit. Ce n'est pas très joli comme expression, enfin bon, c'est l'expression consacrée euh, qui ont gagné une, une reconnaissance assez rapidement. Euh, du coup, ça pose aussi euh, la question du deuxième roman de manière un peu particulière. On pourrait considérer que le fait d'avoir eu des prix et de la reconnaissance de la part du public et de la critique, c'est une bonne chose. Est-ce que ça complique pas quand même aussi euh, le passage au deuxième euh, Écoutez, encore une fois, pendant l'écriture, il n'y a vraiment plus rien pour moi qui existe. Mmh. Euh, désolé Sabine Vespizer doit être dans la salle euh, mais vraiment ni les lecteurs, heureusement, mmh. heureusement parce que mmh. je pense que si je me mettais à m'adresser à un lecteur ça serait une très mauvaise chose euh, donc il euh, y a une, une espèce de petite transe, une petite magie qui s'opère qui fait que je suis dans vraiment entre moi et mon personnage et, euh, et je suis dans ce tête à tête très intime et très précieux euh, alors par contre pour ce qui est de la réception euh, bien sûr qu'il y a une petite inquiétude, mais vous savez, j'ai grandi dans, 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 entourée de, de gens qui publient. Et euh, le, le plus important pour moi, encore une fois, ce n'était pas... Euh, euh, je, je ne me suis pas... Euh, J'avais pas d'illusion, je ne me suis pas dit qu'il faut absolument euh, que le deuxième décroche autant de prix, qu'il vende autant de... Euh, je, je sais à quel point... Euh, L'entreprise est délicate. Je sais à quel point les circonstances euh, peuvent jouer. Je sais à quel point une lumière particulière est faite sur les premiers romans et pas sur les seconds. Euh, donc, euh, voilà. Peut-être de connaître un petit peu le monde de l'édition, ça me, comment dire, ça, ça, ça m'empêche d'avoir certaines angoisses. Alors oui, bien sûr, on, on espère qu'on va vendre, on espère. Mais ce que j'espérais surtout. Euh, C'est que mon éditrice ne soit pas déçue. Euh, donc voilà, quand elle a lu, formidable, génial, j'étais déjà, euh, déjà très contente. Que les quelques lecteurs auxquels on tient euh, ne soient pas déçus, ces choses faites. Que les libraires suivent, euh, qui, qui sont des grands lecteurs avant tout. Euh, donc voilà. Mmh. Mais, euh, mais oui, peut-être le fait de connaître un petit peu les rouages de tout ça euh, me, me met à l'abri de certaines illusions. Mmh. Laurent euh, En fait, les, euh, les auteurs et euh, autrices de la manufacture de livres m'ont assez vite prévenu en me, me disant euh, profite sur le premier. Tu verras, ça, ça peut être une fois seulement et puis euh, bon, après, ce sera peut-être plus, plus difficile. Donc une fois que vous êtes dans ce, euh, dans, dans ce schéma, vous profitez finalement des, des choses et puis après, bon... Euh, et puis, je, moi, je, je suis assez persuadé que euh, c'est sur plusieurs euh, textes qu'on arrive, en fait, à peut-être à cerner un peu un, un auteur. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je lis. Euh, c'est comme ça que je lis des, des auteurs. C'est-à-dire que je, je lis plusieurs textes d'eux et finalement, j'arrive un peu à, 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 je pense, arriver à un tout petit peu mieux les, à, les comprendre et peut-être d'ailleurs comprendre mieux le, le premier texte que j'ai lu d'eux. Donc je pense que, ben voilà, ça se construit en fait. Euh, et je pense que c'est sur plusieurs textes, bon, qu'on qu saura si c'est bien, si c'est pas bien. Euh, je je, je m'inquiète pas trop pour ce deuxième roman. Bon. Ce que vous décrivez là, c'est quand même le cheminement d'une œuvre qui se construit. Ben, d'une œuvre, c'est un grand mot, mais, oui, oui, mais je disons, sais disons, que le mot disons, est un peu lourd. Mais... Non, mais disons une espèce de, euh, oui. de, de, de quadrature, ou je ne sais mmh. pas comment le, le dire finalement, d'arriver mmh. à approcher par des facettes un tout mmh. petit peu différentes finalement quelques idées qu'on euh, qu peut avoir en tête et qu'on va réexprimer sous, sous des formes finalement euh, assez diverses, mais qui restent quand même les, les mêmes idées. Mmh. Martin, pour euh, finir ce tour de table oui. sur la, la question du louis et de la pression de premiers livres qui ont été reconnus et, et salués. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, pour le deuxième, on n'est on est plus tout seul. Et, et c'est vrai que peut-être que le, le, le premier roman, c'est une quête qui se fait d'abord seul, en fait notamment cette quête d'abord à la recherche des éditeurs, et puis après on découvre un monde voilà, qui nous est complètement étranger. Et moi j'ai l'impression que, euh, voilà, aussi d'avoir trouvé euh, oui, une famille presque, on pourrait dire, et que, et que euh, voilà, maintenant je ne suis plus tout seul, et, et j'ai toute confiance en mes éditeurs euh, voilà, qui m'accompagnent, et, et c'est un chemin qui se fait à plusieurs en fait. voilà puis il y, y, y a toute la chaîne du livre aussi qui est, qui est autour de nous. Alors, on va commencer à parler de vos romans, puisque vous, vous aviez la parole. Martin Mongin, mais je, je propose qu'on parle du Chomor, un deuxième roman dans lequel vous renouez très clairement avec un certain nombre d'éléments qui étaient déjà présents dans, dans Francis Rissin, euh, notamment le foisonnement d'un récit qui entremêle plusieurs histoires qui se, qui se déroulent en parallèle, et puis aussi un livre qui joue avec les genres littéraires. Et aussi un, un roman qui explore vraiment les limites entre la réalité et la fiction. C'est vrai que, à vous lire, on se pose souvent la question euh, est-ce que la fiction est en train de renverser la réalité <laughs> Voilà, c'est c'est quelque chose qui traverse vraiment votre manière d'aborder euh, la littérature. Oui, euh, moi j'avais l'impression que écrire de la fiction, il fallait forcément que ça rende justice à euh, mon histoire de lecteur, en fait. Et comme je suis un lecteur multigenre, ben voilà, je lis aussi bien des polars que de la philosophie, que de la presse. Que, bon. Et, euh, et j'avais l'impression que la fiction, elle se trouvait forcément la diagonale de tous ces différents types de registres euh, de l'écriture. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle je trouvais ça, euh, oui, euh, alors à la fois amusant, mais aussi euh, ça faisait sens, quoi, à la fois par rapport à mon parcours, mais aussi peut-être. Pour des raisons plus contemporaines, de, où quelquefois les choses se brouillent, justement, entre euh, qu'est-ce qui est de l'ordre euh, du discours journalistique, qu'est-ce qui est de l'ordre du discours publicitaire, qu'est-ce qui est de l'ordre de, 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 de la fable ou de la fiction. Et que finalement, en mêlant ces, ces, ces différents genres, ces différents registres, Peut-être presque bizarrement, on pouvait euh, accéder à quelque chose de, de plus juste par rapport à notre expérience du monde et qui est à la fois brouillée, mais aussi qui, qui, qui serpente et qui circule comme ça toujours entre euh, réalité et fiction. Mmh. Une autre dimension que l'on retrouve dans ce deuxième roman et qui était déjà présente dans le premier, bon, le fait de mêler les différents registres euh, littéraires donne une connotation... Euh, euh, oui, très littéraire à ce roman, et en même temps, il a une dimension extrêmement politique, et voire euh, subversive. On peut en tout cas la considérer comme cela, notamment euh, dans la dénonciation du capitalisme financier, qui est quand même une réalité euh, assez présente dans le roman. Oui, et c'est sans doute aussi une... Euh j'ai l'impression, moi, une contradiction avec laquelle il fallait euh, composer, si on veut. C'est qu'un livre qui marche, c'est aussi un livre qui, euh, qui produit de l'argent, enfin, je sais pas, qui, 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 qui s'inscrit lui-même dans dans euh, le cercle sans fin de la marchandise, bon, je sais pas. Et, euh, et oui, même, qui éventuellement se retrouve euh, sur les étals des supermarchés, bon, voilà, enfin... Et, et, euh, et moi, je trouvais ça aussi euh, que ça pouvait avoir du sens de... de... Euh, bah, de mais c'est plus comme une question en fait, c'est parce que vous dites c'est voilà que c'est subversif. J'aimerais que que, que que ça le soit vraiment, mais mais euh, voilà il n'y a plus beaucoup de livres qui sont vraiment subversifs aujourd'hui et, et c'est un peu la question de euh, oui qu'est-ce que ce serait une littérature qui serait vraiment politique et voilà et, et moi j'ai l'impression que j'avais pas forcément de réponse là en tout cas dans dans le champ de la littérature contemporaine de, 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 de qu'est-ce que c'est un livre vraiment politique bon et que, que peut-être c'était une tentative d'essayer de, 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 de voir ce que ça produit, de, mmh. de mettre de la satire, de mettre de la, voilà, avec une dimension peut-être plus pamphlétaire et plus. Euh, ouais. Oui, parce que cette dimension politique, elle est effectivement portée par une dimension ludique. D'ailleurs, le fait de travailler sur différents registres littéraires, du roman d'aventure au fantastique, en passant par l'absurde aussi, ça donne une dimension assez ludique au roman. Vous aimez bien le jeu, en fait qui D'ailleurs présent dans le oui, roman. oui, oui. Ce qui est voilà le, le, le sous-titre du de, donc de mon deuxième roman, le chômeur, ça s'appelle le manuel des joueurs. Ouais. Euh, D'une part, je pense que c'est aussi une manière de, de euh, c'est aussi une manière pour moi de marquer le fait que, que, que je m'amuse beaucoup, enfin que l'écriture, que euh, voilà, même si c'est un travail, même si euh, voilà, ça prend du temps, mais il y a quand même une dimension euh, ludique assez forte et euh, et aussi le, le, cette espèce de euh, Ouais, d'enjeu, ou est-ce qu'on va réussir à embarquer le lecteur ou la lectrice dans, dans le jeu qu'on lui propose, sachant que peut-être moi j'ai un peu ce goût-là de, euh, euh, enfin en tout cas le mot jeu, de l'entendre aussi de, de, dans le fait qu'on euh, euh, va essayer de, 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 euh, de toujours le tromper dans ses attentes, quoi, ou de la tromper dans ses attentes, le lecteur ou la lectrice, et, et, euh, et de jouer aussi un peu avec sa sensibilité, avec, ce, avec ses, oui, ses attentes. Et ouais, comme si un livre c'était aussi toujours un peu, euh, pas un, oui, un piège, mais euh, un, dans le sens où ça peut être chouette, quelquefois, de, de se laisser embarquer dans un piège, quoi. Dima Abdallah, euh, bien que Bleu Nuit, votre deuxième roman, Aborde un sujet qui est assez différent du premier, euh, Mauvaise Herbe. Il y a une question fondamentale chez vous que l'on retrouve et qui tisse vraiment un fil entre les deux romans c'est la question de la mémoire. Euh, vous faites vraiment un travail littéraire sur la question de la mémoire, des traces et des empreintes euh, de nos actes passés euh, dans le présent, avec en arrière-plan, de manière assez lointaine mais très forte quand même, euh, du Liban. Donc. Euh, votre pays d'origine. Euh, ce sillon que vous creusez du travail de la mémoire, on sent que c'est chez vous quelque chose d'extrêmement de, fort et que vous, vous ne vouliez pas l'abandonner, là, avec le deuxième. Oui, je ne sais pas si c'était une volonté de ne pas l'abandonner. Vous savez, on dit, on dit souvent que les écrivains ont les mêmes obsessions. Ça doit certainement être un peu vrai. C'est-à-dire que ce personnage-là, sans réfléchir, sans me dire. Euh, tiens, la mémoire, c'est quelque chose d'intéressant. Je pourrais continuer à creuser euh, et, et à explorer ce que j'avais déjà amorcé avec mauvaise herbe. Euh, ce personnage, il est arrivé avec une mémoire et puis pas n'importe quelle mémoire, mmh. et puis une mémoire en ruine, et euh, avec laquelle il faut, euh, oui, avec laquelle il faut composer ou pas. Mais en tout cas, ce, ce n'est pas seulement la mémoire, les, 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 euh, les, euh, les lignes directrices. Euh, les obsessions de mauvaises herbes, j'ai l'impression qu'avec Bleu Nuit, je les ai poussées à l'extrême. C'est-à-dire cette euh, difficulté d'appartenir au monde, euh, cette manière de le questionner, euh, ce dialogue parfois euh, impossible entre nous et ce qui nous entoure, euh, la solitude, euh, la marge, la marge. Je crois que la marge occupe autant. De place que la question de la mémoire euh, dans ce second roman. Et, et cette question était déjà très présente mmh. dans Mauvaise Herbe. Donc, oui, pour répondre à la question, euh, c'est bien sûr, euh, pour ce qui est de la mémoire, c'est bien sûr quelque chose qui me. Mais vous savez, je crois que, je crois que les auteurs mettent toujours beaucoup d'eux-mêmes, quelle que soit la fiction. Et je ne pense pas que ça soit complètement anodin que je doive, moi, composer avec une mémoire mmh. en ruine. Euh, je veux dire ce n'est pas un hasard ce n'est pas un sujet qui vient de nulle part mmh. je suis d'accord sur le fait que vous êtes allé plus loin dans ce deuxième roman en tout cas sur ce sujet là et puis après on va, on va aborder les autres mais sur la question de la mémoire encore parce que vous créez un personnage qui euh, lutte vraiment pour conjurer le passé et qui invente des rituels pour et c'est vous qui employez le terme arracher la mémoire et faire disparaître les noms d'un certain nombre de personnes. il y a une telle violence dans, dans ce rapport à la mémoire que il finit à la rue oui, parce oui. qu'on ne peut pas arracher la mémoire. oui, oui. en fait, il y, a, il y a beaucoup de comment dire? il y a beaucoup de, euh, de euh, comment je pourrais dire ça. il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place et elles sont toutes vaines. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver, que ce soit dans des addictions, dans des tocs, dans des troubles euh, psychiques euh, graves, euh, cette volonté d'oublier. Euh, mais bien sûr, le lecteur n'est pas dupe, même s'il se jette à la rue avec un espoir fou. Qu'elle le lave de tout. Alors déjà, bien sûr qu'il faut lire entre les lignes. Ce n'est pas un homme complètement naïf. Et bien sûr qu'inconsciemment, c'est une sorte de pénitence. La rue, la rue le rattrape de toute façon. La, la rue est d'une violence inouïe. Même si pendant, allez deux ou trois chapitres, il se dit mais c'est magnifique, je suis débarrassé de tous mes fantômes. Ça ne va pas durer. Et le lecteur le sait. Et évidemment que oublier est un acte complètement involontaire. C'est un acte complètement inconscient. Donc, euh, oui, mais comme dans Mauvaise Herbe, euh, c'est ça, c'est une entreprise qui est complètement euh, vouée à l'échec. Mais le lecteur euh, va découvrir euh, euh, dans Bleu Nuit, par rapport à Mauvaise Herbe, le personnage de manière extrêmement progressive. Euh, mais vraiment, ça va être à dose homéopathique au début. Et je vais aller de l'universel, c'est-à-dire que cet homme-là, il pourrait être n'importe qui. Dans la première moitié du roman, il pourrait être euh, français, suisse, euh, suédois, afghan, que sais-je. Euh, ça serait exactement euh, la, la même écriture. Donc, on va aller de l'universel de, de en fait et du flou vers le plus intime et le plus particulier euh, à la fin du roman, mais vraiment dans une intimité du coup extrêmement forte. Mmh. Euh, mais euh, mais, mais oui bien sûr que c'est que c'est une entreprise vouée à l'échec et c'est un homme c'est un homme perdu et c'est un homme qui euh, qui va continuer à se morceler qu'on qu retrouve déjà au début du roman morcelé mais qui va continuer euh, à, à, à l'être de plus en plus et à, et à tomber finalement euh, au ralenti euh, au fil des pages à travers ce, ce personnage cet homme euh en proie avec ces euh, fantômes et qui se retrouvent à la rue. Le roman se déroule à Paris, dans le 20e arrondissement. Euh, C'est aussi euh, une manière de poser un regard sur toutes les fragilités humaines, sur les plus faibles, sur les plus fragiles, sur les plus démunis, ceux vers lesquels euh, on ne pose pas toujours le regard précisément. Oui, sur les exclus. Tous les exclus. Euh, sur, en fait, il va aller à la rencontre de personnes en marge, comme lui, même si elles ne sont pas sans abri. Parce qu'être en marge, ça ne s'arrête pas à être à la rue. Et, euh, et c'est... Euh, vous savez, c'est un roman qui a vraiment beaucoup de portes d'entrée. Et euh, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme en proie à ses fantômes. Euh, c'est aussi l'histoire d'un exil qui soit intérieur ou géographique. Un exil géographique, on comprendra par la suite d'une extrême violence. Euh, c'est aussi... Et surtout, parce que c'est quand même cet homme-là, en fait, il a la rue, mais il tourne dans un périmètre très restreint autour du Père-Lachaise, qui, même si c'est le plus beau cimetière du monde, reste un cimetière où son seul amour est enterré d'ailleurs. Et, euh, et c'est un homme en deuil. C'est un homme euh, en deuil. Euh, c'est un triple deuil, en quelque sorte. Il est dans le deuil de son enfance. Ça, on le comprendra au fur et à mesure. Euh, il est dans le deuil de la seule femme qu'il ait jamais aimée et, et, et dont il s'est avéré incapable de se rendre ne serait-ce qu'à l'enterrement, tellement il était enfermé chez lui, euh, incapable de sortir. Et ça, on le découvrira bien plus tard, mais c'est quelque chose de, de central. Il est dans le deuil d'une mère et dans, dans un deuil qui est impossible à faire. Laurent Petit-Mangin, j'ai dit pour Martin et pour Dima qu'il me semblait que leur deuxième roman était vraiment dans la même veine que le premier. J'ai l'impression que le vôtre est sensiblement différent. Alors d'abord parce que dans le premier, on, on, il était situé dans une catégorie sociale très précise et dans une région aussi très précise, puisqu'on on, on était en, en Meurthe-et-Moselle. Et là, vous vous décalez, vous vous déplacez, le roman se déroule à Berlin, et puis c'est un roman à caractère historique puisqu'il se déroule après la, la Seconde Guerre mondiale. Alors peut-être ce que l'on pourrait, pour tisser le fil tout de même entre les deux, euh, ce que l'on pourrait dire, c'est que euh, vous y manifestez là aussi un intérêt. Euh, très fort pour aller fouiller les complexités de l'âme humaine. Et là, vous le faites au travers d'un personnage, un homme, euh, qui est en fait déchiré entre deux femmes que tout oppose, et notamment leur positionnement politique, dont nous sommes au moment de la reconstruction de Berlin, l'une en RFA et l'autre en RDA. Donc euh, voilà, c'est ce déchirement euh, à la fois politique et, et aussi amoureux et émotionnel. Oui, mais, mais rien que le déchirement, finalement, c'est déjà un point commun presque avec le premier texte. Mais bon, c'est dû aussi au fait que euh, euh, c'est Dima qui, qui disait tout à l'heure que bon, quand on écrit, euh, justement, bon, en tout cas, il y a, y a une espèce de plaisir à, à vouloir euh, me mettre sur, euh, sur un texte et finalement à ne pas trop réfléchir à me dire, bon, non, je dirais que la. L'espèce de, 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 euh, de cohérence que j'évoquais tout à l'heure, finalement, elle se fait qu'a posteriori, a, le démarrage d'un texte, il reste quand même un démarrage un petit peu inné, spontané, où on a envie de le, de le faire. Et là, en l'occurrence, cette histoire de, de Berlin, c'est vrai qu'elle n'a finalement pas grand-chose à voir avec euh, ce qu'il faut de nuit, mais, mais ce n'est pas grave, parce que qu'il bon, y avait ce plaisir au démarrage de d'écrire une histoire. Puis c'est après, bon, où euh, on va peut-être avoir des thèmes qui reviennent, des thèmes un petit peu plus sous-jacents, euh, qui vont, euh, qui vont, qui vont venir dans, dans le texte. Mais c'est vrai que mes, mes romans, je les démarre de façon quand même radicalement différente, sur des, euh, des idées radicalement différentes. Et puis peut-être que, bon, au fur et à mesure, je me fais rattraper peut-être par mes euh, euh, mes thèmes favoris, oui. Là, il y a quand même une dimension. Enfin, c'est pas un roman historique, mais c'est un roman qui a un caractère historique, en ce sens que vous le situez à un moment très précis et qui est, en plus, un moment passionnant. C'est celui de la, de la reconstruction donc de la ville de, de Berlin. Euh, et vous montrez bien ce gigantesque chantier d'où vont éclore finalement deux villes différentes. C'était une période de l'histoire sur laquelle vous aviez déjà euh, Réfléchi précédemment ou. C'était une, une période qui me qui me fascinait, euh, bon qui, qui est due d'ailleurs à, à un voyage mais très très court de, de quelques jours seulement à, à Berlin euh, au temps du, du mur et euh, où j'avais été fasciné de, de façon presque égale je dirais par les deux parties de, de la ville et euh, et donc ça m'intéressait je dirais presque dans un exercice littéraire de. Euh, de me remettre aux premières années, à l'année zéro, euh, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'histoire, qu'on ne sait pas euh, comment elle va se, se terminer, se dire, bon, finalement, euh, qu'est-ce qui a pu être dans la tête de ces, de ces protagonistes Quels ont pu être euh, leurs espoirs, leurs utopies euh, Qu'est-ce qui, qu qui a pu les, les conduire Quelle était aussi, d'ailleurs, l'urgence du moment c'est-à-dire se, se mettre aussi dans, dans cette urgence là de, de devoir reconstruire quelque chose, de le faire. Ils n'avaient pas non plus des années et des années pour, pour le faire. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant euh, d'un point de vue euh, presque je dirais euh, comme un jeu quoi aussi, euh, de, de se dire bon bah finalement euh, mets toi dans, dans leur tête, vois euh, si c'est euh, si c'est possible, qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'ils ferait, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment là. Peut-être faut-il euh, dire un mot de ce programme euh, Spitweller qui est au cœur hein, du, du roman et qui, euh, qui est un programme donc, euh, qui a réellement existé et qui avait pour objet d'assurer euh, un vivier de scientifiques à l'Allemagne de, de l'Est. Oui, c'est euh, bah, euh, un programme qui effectivement vise à, dans un premier temps, à rassembler et à, à garder un peu euh, les, euh, les scientifiques. Et quand, quand on parle de scientifiques, c'est vraiment les mathématiciens, les physiciens, un petit peu les chimistes. Euh, vraiment euh, en RDA pour éviter qu'ils partent soit euh, complètement à l'ouest dans les laboratoires de, de Californie ou euh, qu'ils euh, qu qu soient récupérés par, euh, par l'URSS. Euh, bon, et euh, effectivement, comme c'était un programme qui, qui mettait du temps un peu à se développer, ils sont allés après faire des, euh, je dirais une sélection parmi les meilleurs élèves, euh, bon, euh, histoire de, de garder cette espèce de, de ferment. Et de se dire, puisque bon, en tout cas, Kate, qui est qui est l'héroïne est-allemande, elle, a sa conviction, c'est qu'un pays ne peut ne peut vivre que par son élite scientifique. C'est grâce à son élite scientifique que, que le pays peut peut progresser. Mmh. On a tout à l'heure prononcé ce mot d'œuvre, qui est peut-être un mot un peu impressionnant, et euh, voilà, on peut, on peut aussi l'abandonner. Mais enfin, en tout cas, est-ce que cette question d'inscrire un deuxième roman, euh, en imaginant qu'il y en aura d'autres ensuite, est-ce que c'était important pour vous de vous dire que le deuxième allait être dans le même euh, sillon que le, que le premier, euh, Martin Parce qu'il l'est quand même. Le chômeur est quand même dans. dans voilà, vous avez une manière euh, reconnaissable et qu'on retrouve dans le deuxième. Hein. Euh, mais après sur la, sur la question du deuxième et, et, que, et que le deuxième ce serait euh, qui aurait besoin du deuxième pour pouvoir ensuite envisager, oui, euh, voilà, une œuvre ou en tout cas quelque chose qui vient s'étaler comme ça vers l'avenir. Peut-être que moi j'ai. En tout cas, une spécificité, c'est que, euh, en, en vérité, mon premier roman, ce n'était pas non plus ma première publication. Et, euh, et, euh, et pendant toutes les années qui précédaient le, le, la publication de Francis Rissa, moi, j'ai eu, enfin, eu, euh, j'écris depuis très longtemps et, euh, et j'ai eu une activité d'auto-édition, on va dire, c'est que. Pour moi, longtemps, l'écriture, elle ne se, euh, se séparait pas de la prise en charge des questions éditoriales, presque, et, et donc ça pouvait être voilà, la publication de brochures, la publication de revues, euh, euh, oui, et le, même l'auto-édition au format livre, on va dire, mais donc, voilà, moi j'ai pu euh, auto-éditer des livres un peu, un peu euh, épais, euh, voilà, avec plusieurs centaines de pages, mais parce qu'ils étaient auto-édités, et puis parce que moi je les jugeais en tout cas trop euh, farfelus en tout, euh, pour pouvoir être envoyés comme ça à des éditeurs, mais qui ont eu une vie quand même. Et finalement, Francis Rissin, le Chômeur, sont la continuation de, de quelque chose qui avait commencé bien avant eux, en fait. Oui. Est-ce que vous avez le, le sentiment, tous les trois, d'avoir. Je vais prendre cette image-là, d'endosser. De euh, le vêtement de l'écrivain, c'est-à-dire est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous pouvez vous dire je suis écrivain Alors est-ce que c'est est -ce est advenu avec le deuxième roman ou pas Peut-être plus tôt, je ne sais pas. Et est-ce que c'est important de pouvoir se le dire ou pas Je crois que c'est assez important de pouvoir se le dire. Euh, je ne sais pas, moi je pense que... Euh, ce n'est pas une question de de, de de succès ou de ou de légitimité ou euh, je pense qu'il y a quelque chose il y a une espèce d'urgence à écrire euh, il y a ces personnages qui nous habitent et puis il y a ce que j'ai constaté en tout cas moi euh, qui pourrait le plus me faire disons pencher euh, vers une réponse positive à votre question euh, c'est que ce que tout le monde m'a dit, c'est euh, très différent, mais on reconnaît à la première page que c'est toi. Mmh. Euh, donc je, je me sûre. dis euh, ah. voilà. Donc oui. je me dis que je porte une langue et je crois qu'avant tout un écrivain c'est une ça. langue. Oui. Ce n'est certainement pas une histoire parce que vous savez non. les histoires on les a déjà toutes écrites. Oui. Et, et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement mmh. euh, quand on me dit, ben, c'est ta plume, c'est ta poésie, et, euh, et, euh, et finalement, c'est ce, ce qui fait la littérature. Mmh. C'est savoir créer un univers singulier. Et euh, oui, je pense que ça caractérise de toute façon vos trois parcours, petits pour l'instant, mais c'est le cas. Endosser le vêtement d'écrivain, c'est... Moi, j'ai coutume de dire que ah, j'ai vraiment fonctionné par, euh, par hobby pendant longtemps. Enfin, je veux dire, euh, et à la limite, si je me suis mis à écrire, c'est parce que je n'étais pas assez bon en escrime ou en marathon. Mmh. Donc, euh, okay. euh, bon, maintenant, je, je veux dire qu'il y, y a quand même une, une pression. Parce que, euh, comme le disait Martin, bon, à un moment donné, on n'est plus quand même tout seul non plus. Mmh. Enfin, je veux dire, on a, euh, il y a une maison euh, bon, euh, d'édition, il y a... Bon, il y a euh, il y a quand même un éditeur qui a misé euh, sur nous. Bon, bah, euh, donc ça sort un peu du, du hobby. Mais enfin, bon, la dernière fois où je suis à chez le médecin, où il m'a demandé ma profession, euh, j'ai dit cadre Air France, j'ai pas dit auteur. Ah <laughs> bon, d'accord. Vous ne dites pas encore écrivain <laughs> quand on vous demande. Ce n'est pas encore écrit non, sur le pas, passeport. Pas encore, <laughs> euh... Martin mais, Parce que peut-être ça engage aussi la question des, des conditions matérielles de vie. Et, et moi, j'ai l'impression que le deuxième roman, c'est c'est aussi celui où on se dit, ah tiens, peut-être que euh, ça va être possible d'en vivre, surtout si le premier a un peu marché, quoi. Mmh. Mais, euh, mais moi, j'ai l'impression que, le, euh, oui, euh, être écrivain, ça, euh, dans ma tête, en tout cas, ça, ça voudrait dire pouvoir vivre du métier d'écrire, quoi. Mmh. Mmh. Et euh, voilà, moi, j'ai pas l'impression d'en être encore tout à fait là, mais, même s'il y a des horizons qui se sont un peu ouverts, mais, 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 mais a, avant de, de vivre de sa plume, comme on dit, euh, j'ai l'impression que, ouais, il faut... Mmh. Il hmm. faut, 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 faut en vendre des livres. Hein. Ouais, ce qui est une vraie <laughs> question aussi, ça c'est la question euh, matérielle, bien sûr. Euh, Lorsqu'on a publié un premier rom roman, on est euh, familiarisé avec euh, les dessous euh, de l'existence d'un livre. C'est ce que l'on appelle euh, communément la chaîne du livre, où il y a une une longue série de personnes qui, autour d'un livre, font euh, alors, des interventions et, et des étapes très différentes. Il y a bien sûr cette relation très privilégiée avec l'éditeur d'abord, puis ensuite l'intervention de lecteurs professionnels, que sont les critiques, les intervieweurs, etc., le rapport avec les libraires, le rapport avec le public, enfin toute cette chaîne-là que vous connaissez bien maintenant, quelle est pour vous, finalement, avec le deuxième roman, l'étape qui vous semblait peut-être la plus... Difficile à passer. Euh, honnêtement, j'ai la chance d'avoir euh, euh, une des éditrices les plus exigeantes, euh, et euh, je crois que l'étape, euh, c'est pas que je me disais qu'elle était difficile à franchir, c'est que je me disais que euh, si elle me disait que c'est chouette, c'est que ça l'est vraiment. Euh, parce que je connais le travail de Sabine Vespizer, je sais qu'il y a des seconds manuscrits qui sont refusés, euh, et que j'ai une confiance absolue, euh, et ça c'est primordial, euh, j'ai une confiance absolue en son jugement. Et puis après, on a toujours, vous savez, euh, on a tous, je crois, deux, trois lecteurs secrets auxquels on tient euh, particulièrement. On tient particulièrement à ne pas les décevoir, des espèces d'œil de lynx euh, qui, qui sont capables de dire, tiens, sur tel paragraphe, qu'est-ce que tu as fait là <laughs> non, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord, oui. enfin, et notamment avec ce, euh, ces quelques personnes qui peuvent être justement à, à différents moments de, euh, de cette fameuse chaîne du livre, où euh, vous voyez, on a envie d'avoir un retour euh, positif. Et à la limite, c'est vrai que le seul retour positif de l'éditeur ne suffit pas. Enfin, C'est-à-dire mmh. qu'on veut que ces personnes-là, elles aussi, cochent euh, euh, la case. La case, euh, oui. Et après, mmh. et, et effectivement, enfin, vraiment, c'est incroyable ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. C'est qu'une fois que cette case elle a été cochée, bon, à la limite, advienne que pourra. Enfin, je veux dire mmh. que le livre se vende à, à je ne sais pas combien. Ce n'est pas si grave. Il y a mmh. quelques personnes qui comptent. Euh, et d'ailleurs, à tel point, moi, que, euh, bon, en corps j'ai déjà écrit mon, mon troisième, on va dire, euh, j'en suis à me dire, bon, voilà, euh, est-ce que ces quelques personnes cochent la, la case et est-ce qu'on euh, est qu y va et mmh. euh, est-ce qu'on va, est qu va plus loin ouais. D'accord. Martin Oui, non, moi, j'ai l'impression que c'est quand même, enfin, les, 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 pour que pour moi, c'était l'enjeu, il était du côté des libraires. Qui avait quand même beaucoup porté Francis Rissin, Enfin voilà, avec des, des, vraiment des retours, euh, des coups de cœur. Enfin je sais pas, on, on sentait vraiment que le livre, il était porté par, euh, par les libraires, qui sont évidemment des médiateurs très importants, et que et que je, ouais, le, le sentiment que j'avais, c'est que si c'était gagné auprès des libraires, et eh ben euh, le livre pourrait euh, oui euh, s'envoler. Mmh. Et est-ce que le regard de vos pères, PAIRS, est également quelque chose d'important Et là, je pense peut-être moins à, à votre génération au sens littéraire du terme, hein, de gens qui en sont à leur deuxième roman, mais peut-être d'écrivains qui ont davantage d'expérience de, et de maturité et qui ont fait déjà un, un chemin assez avancé en littérature. Est-ce que le fait d'être adoubé par, par vos pères est aussi une question importante Adoubé, euh, je ne sais pas, mais on en, en revient. Tout cas, accueilli. Mais accueilli. Évidemment, évidemment que des, que des écrivains qu'on respecte euh, énormément euh, comptent beaucoup, moi, pour rester dans, dans la maison d'édition euh, où je suis. Euh, c'est vrai que si Diane Meur ou euh, Louis-Philippe d'Alembert me disent c'est chouette. Euh, c'est, euh, ça me fait super plaisir. Mmh. Euh, alors toute une génération d'écrivains, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils en pensent moi. Euh, je parlerai pas en termes de génération, mais euh, mais il euh, y a aussi des sensibilités, même quand c'est pas des auteurs. Il y a des personnes qui ont une certaine sensibilité, qui sont ce que moi j'appelle des lecteurs extraordinaires, mmh. euh, auxquels j'ai un, un peu le trac au moment où, où je soumets le, le manuscrit et, euh, et c'est vrai que c'est génial quand, quand on nous dit non ben, c'est super mmh. c'est très beau cette expression de lecteur extraordinaire, moi je crois que je vais l'adopter <laughs> Martin ou, ou, ou Laurent sur ce, ce rapport avec la famille des écrivains parce que au fond, voilà, le... les auteurs se lisent entre eux, bien évidemment. Les écrivains sont d'abord et avant tout des lecteurs. Donc, quand de nouveaux auteurs apparaissent sur la scène littéraire, vous êtes lus par vos pères. Est-ce que leur... vous avez eu des retours qui vous ont euh, peut-être conforté euh... J'en ai eu quelques-uns, mais, mmh. euh, mais, mais je dirais que pour l'instant, je suis quand même plus, moi encore, dans une démarche, on va dire, de... Euh de découverte, euh, voire d'admiration d'un certain nombre d'entre eux avant de, euh, voilà, que ça, soit, ça se passe dans le sens dans, inverse Dans l'autre sens, <laughs> ouais. oui. Oui, c'est plus une cerise sur le gâteau. Mmh. Hein. Oui, c'est ça. Mais, mmh. mais c'est toujours... Euh... Mmh. Moi, j'adore les cerises. Hein. Mmh. Mmh. <laughs> c'est très bon. Euh, on a déjà un peu esquissé euh, ce, ce sujet-là, mais je voudrais qu'on s'y arrête quand même encore un tout petit peu. Vous avez tous les trois... Publier vos deuxièmes romans chez le même éditeur, ça vous apparaissait comme une évidence C'est une question de fidélité, le sentiment d'avoir trouvé un lieu où votre univers, votre sensibilité littéraire est reconnue de telle sorte qu'il n'était pas question de penser à une autre maison Oui, pour moi, bon, ne serait-ce que bon, pour l'histoire oui, un peu. Vous avez, oui. mais, mais en tout cas, en l'occurrence, même le troisième se fera, se fera à la manufacture. Enfin, euh, j'espère. Euh, bon, euh, <laughs> normalement, oui, je pense. Euh, bon, je, oui, ça me semble assez logique. Enfin, ça me semble. Euh, vous savez, moi, je, je veux dire, je viens d'une. Euh, je veux dire, je, je, je assez dans le domaine sportif que mon, mon club de foot se fasse déplumer de ses meilleurs joueurs à chaque saison, voire à, à chaque mi-saison, pour quand même que je ne reste pas, moi, dans, euh, chez, euh, chez mon éditeur, quand même. Mmh. Donc, voilà. Donc, mmh. Euh, mmh. Oui, pour moi, c'était une on évidence. On a entendu la réponse d'Ima à ah, Oui, oui, ouais. oui c'était une évidence. Et, euh, et vraiment, euh, au-delà des exigences et de la grande qualité euh, des publications euh, euh, de Sabine Vespizer, éditeur, il y a. Euh, vous savez, il y a des endroits où, 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 qui nous ressemblent. Et ça, ça ne s'explique pas. Et, euh, et voilà, euh, je veux dire, c'est une maison, euh, dans, 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 le vrai, dans, le, dans le vrai sens d'une maison c'est-à-dire un endroit qui, qui me ressemble, donc euh, je n'avais aucune raison de soumettre euh, mon manuscrit à quelqu'un d'autre. Mm. Martin Oui, bah pareil, hein, quand on arrive dans un endroit où on est euh, accueilli, euh, chouchouté, euh, bichonné, voilà pourquoi partir hein. mm. Quand on publie un premier roman, en général, on, on, on dit bon, c'est une c'est une genèse, c'est quelque chose qui est en train d'advenir, un univers qui est en train de de se créer. Est-ce que là, maintenant, au moment où vous en êtes, dans votre travail d'écriture, vous pouvez dire qu'au fond votre vie maintenant est définitivement modifiée, changée par le fait d'avoir bah, publier maintenant deux, deux romans et que quelque chose a basculé, disons. Ah bah moi, en tout cas, ça fait partie de... Vous savez, euh, je, veux dire, je, je suis un peu scolaire. J'ai ma, ma liste de choses à faire dans une vie. Il bon, y avait <laughs> euh, voilà, courir un marathon, donc ça, j'avais coché. Enfin, bon, Il voilà, y avait euh, publier un livre, je viens de le cocher aussi. Oui, non, ça fait partie, j'en je, je, plaisante, mais c'est un peu ça quand même. Enfin, mmh. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un côté euh, pour se dire, bon, euh, c'est fait. Et c'est pas rien de se dire c'est fait. Enfin, je veux dire, je trouve qu'il y a une espèce de, de, de réassurance. Bon, euh, je sais pas. Euh, c'est peut-être dû aussi à l'âge, euh, mais se dire bon, voilà, euh, ce qui est fait n'est plus à faire. Et, euh, et je, je trouve que ça me ça me fait vraiment beaucoup de bien mmh. de euh, de me dire voilà. Euh, ce livre a été sorti, enfin, ces livres ont été, euh, ont été sortis. Je vais pouvoir me mettre à autre chose peut-être. Ah oui non, Je sais pas. <rire> <rire> Course automobile. <laughs> D'accord. Martin et Dima, euh, vous abordez cette question-là de la même façon Vous avez coché euh... Alors, mmh. moi je suis moins confiante. <laughs> euh, je ne dirais pas j'ai coché, mais euh, non, je suis assez, assez fière. Euh, D'avoir pris au sérieux finalement euh, cette chose qui m'habite depuis que pratiquement depuis que je sais tenir un stylo, c'est-à-dire que moi j'ai toujours écrit et, euh, et je sais que ce qui s'est allumé l'espèce de, de petite lampe rouge qui s'est allumée quand je me suis mise à l'écriture de mauvaises herbes est resté allumée et c'est vrai que ça occupe beaucoup de place maintenant ça occupe beaucoup de place, ça veut pas dire que forcément là je vais me remettre à écrire euh, tout de suite j'attends vraiment moi d'être habitée par quelque chose euh, pour me mettre au travail mais, euh, mais oui l'écriture euh, je, je dirais que plus, en plus d'être une urgence est, est, est un impératif maintenant pour moi c'est à dire que je sais que je dois faire ça mmh. et euh, et évidemment que savoir ce qu'on doit faire, c'est super déjà. C'est formidable même, Martin. Euh, oui, moi j'ai ben, l'impression en tout cas qu'il y a un, un, un espace-temps qui s'est ouvert à un moment donné dans ma vie où ça devenait possible de prendre le temps d'écrire et, et Dieu sait qu'on est vite rattrapé par les euh, nécessités de la vie quotidienne et de la famille, tout ça. Et, et, et jusqu'ici, ça fait plusieurs années en tout cas que j'ai réussi cet espace-temps à, à, à le garder ouvert. Et je serais très heureux s'il pouvait rester ouvert le plus longtemps possible. Mais voilà, je ne peux, je peux pas être sûr d'avance que ce sera le cas. Est-ce que vous reprendriez une phrase que j'ai notée dans votre roman Vous faites dire à un de vos personnages, il n'y a que la fiction qui peut nous servir de guide. Ben bah oui, j'espère, oui. Ouais. Mmh. Ben, si on voit le, en tout cas, si on voit à quoi ressemblent les guides qu'on nous vend aux rayons euh, politiques en ce moment, euh, il vaut mieux lire de la fiction, c'est certain. Oui. C'est une phrase que vous pourriez adopter tous les deux. La fiction comme seul guide Comme seul, je ne sais pas, mais, mais c'est vrai que la, la fiction elle a ce, à cette capacité à, à créer finalement un, un contexte, à, à pouvoir d'ailleurs s'affranchir de pas mal de, de contraintes pour créer le contexte et nous faire réfléchir, dire bon ben bah voilà voilà telle scène vous êtes dans cette scène comment vous euh... mais bon l'actualité peut aussi nous, nous donner ce, ce contexte c'est-à-dire bon les du moment par exemple se dire bon bah, qu'est-ce que euh, si j'étais dans ce pays euh, qu'est-ce que je ferais est-ce que j'irais à la frontière pour me sauver ou est-ce que je prendrais les armes ou est-ce que je ferai encore d'ailleurs autre chose je veux dire c'est euh, ça fait réfléchir quand même enfin je veux dire quand même vraiment s'interroger, de se dire, bon, euh, qu'est-ce que moi je, je ferais euh, à, à 2000 km d'ici mmh. ou 3000 euh. mmh. mmh. Dima euh, Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Je crois que plus qu'un guide, c'est une matière à question. Mmh. Euh, je veux dire, c'est vraiment ça. Finalement, euh, la, 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 la littérature, elle est là pour... Euh, pour Dialoguer avec le monde et dialoguer, c'est poser des questions parce que finalement, ce n'est pas tant euh, une histoire de, 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 de guide ou de réponse. Je crois que la littérature ne résout rien et elle n'est pas là pour ça. Elle est là comme matière à penser et c'est déjà, déjà beaucoup. Est-ce qu'elle n'est pas là quand même pour aller fouiller aussi bien dans sûr. des zones d'ombre, bien sûr, souvent. bien sûr, mmh. bien sûr. Mmh. Il y a une autre rencontre à 18h, mais il nous reste quand même 5 minutes, de telle sorte que nous pourrions accueillir une ou deux questions, si jamais vous aviez des questions à poser, et elles seraient bien sûr les bienvenues. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit signe si jamais euh, vous, vous voulez euh, poser une question aux, aux trois... Euh, oui Aux trois auteurs présents. Euh, bonsoir et merci à vous trois pour votre intervention. Bah, je voudrais juste rebondir sur des. Enfin, poser une question par rapport à des choses que vous avez dites sur euh, euh, bah, l'influence de la, de la fiction sur la réalité. Et d'après vous, elle, quels espoirs vous placez dans euh, la littérature pour transformer le réel mm -hmm. Comme vous parliez de, de, de transgression tout à l'heure. Euh, moi, je veux bien répondre. Euh, je ne pense pas qu'il qu s'agisse surtout de transformation du réel, euh, je crois que c'est surtout une manière de... Euh, euh, vous savez, dans, euh, en, ce, qui, ce qui est extraordinaire dans la littérature, c'est que c'est à la fois un échappatoire, c'est-à-dire un moyen de quitter complètement le réel, mais en s'y ancrant comme rien d'autre euh, nous fait nous y ancrer. Et, euh, et c'est ce qui fait la magie. Euh, finalement, de la littérature, c'est que c'est partir et en même temps euh, s'enraciner au plus profond euh, des, euh, euh, au plus profond dans le monde, c'est s'y inscrire et, et le quitter à la fois. Non, je, je pense que le, le simple fait d'être euh, amené à réfléchir sur un texte. Euh, si je, je lis Bleu Nuit, bon, je, je peux me faire réfléchir sur finalement qu'est-ce qui peut conduire un homme ou une femme euh, euh, à la rue. Euh, bon, euh, ça peut peut-être changer même mon, mon regard. En fait, euh, je veux dire, ça ne va pas changer la réalité, mais ça, ça peut changer peut-être, ne serait-ce que mon, mon regard, le fait d'intégrer le fait que peut-être qu est-ce que j'ai réfléchi à euh, l'ensemble de faits euh, qui ont conduit au, au fait qu'aujourd'hui cette personne soit soit là bon voilà je veux dire c'est un, un exemple mais euh, je pense que c'est le questionnement qui est intéressant Ça euh, ça changera pas la réalité ça, ça va changer disons peut-être notre euh, notre façon d'aborder les choses de, ce, bon, de, de, de réfléchir peut-être une seconde de plus par rapport à peut-être notre premier instinct on va dire Martin Oui, et on pourrait aussi s'amuser en tout cas à, à renverser les catégories et à dire que par certains aspects, c'est aussi notre vie quotidienne qui n'est que fiction et imaginaire. Et, et voilà, euh, voilà le train-train quotidien, le métro-boulot-dodo, la manière qu'on a de se représenter dans le monde, tout ça finalement. On se raconte beaucoup d'histoires en fait dans, ouais, dans la vie de tous les jours. Et. Euh, et peut-être qu'il ne s'agirait pas tant de changer le réel qu'au contraire de se confronter au réel. Et que la littérature, quelquefois, elle vient ouvrir comme ça une sorte de fêlure dans les petites histoires qu'on se raconte pour, euh, voilà, pour mener notre petite vie euh, loin des, des ordres et des inquiétudes du monde. Et, euh, et, elle, et elle vient ouvrir cette fêlure-là. Et, et si on est un peu disponible, on peut, oui, on peut euh, y, y, y sombrer, je ne sais pas. Mmh. En tout cas, pardon. Oui, oui. En, en tout cas, si la littérature ne change pas le monde, elle change ses lecteurs, mmh. ce qui est déjà considérable. Ce qui est déjà beaucoup. Voilà, mmh. oui. c'est beaucoup. Mais merci infiniment. On va rester sur euh, cette belle considération. Merci à vous trois. Merci pour ces non pas second mais deuxième romans parce que maintenant on attend les les troisièmes. Et bien évidemment, je vous invite euh, à la lecture de ces trois textes. Merci à tous de votre présence.